Ils ont créé une entreprise, fondé une association, ils ont innové, mais surtout, ils ont osé. Aujourd'hui, leur audace et leur travail sont récompensés. Voici les lauréats du concours Talents des Cités 2014. Je m'appelle Nadia Latiris, j'ai 39 ans, je vis à Pont-Sainte-Marie et je suis lauréate du concours Talents des Cités 2014. Mille et une tâches est une entreprise de remise en état de revêtements, tout type de revêtements, de manière écologique avec des produits complètement naturels ou en tout cas le plus écologique possible. Aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants, je suis célibataire et je suis au RSA. Créer mon entreprise, ça va me permettre de créer mon emploi et ensuite pouvoir développer et créer l'emploi pour d'autres, notamment par de la réinsertion sociale. Si ça s'appelle mille et une tâches, c'est parce que le but, c'est que plus tard, ça devienne quelque chose de plus grand avec d'autres branches, mille, peut-être pas mille, mais en tout cas le plus possible. Talents des Cités, déjà, ça m'a apporté une notoriété dans mon quartier, enfin dans ma ville. Aujourd'hui, les 7000 euros, ça va me permettre d'acheter donc déjà mon vélo électrique et le reste va servir à acheter du matériel qu'il me manquait. Ça fait 2 ans que je me bats, que je me serre la ceinture, que je me sacrifie pour ce projet. Et aujourd'hui, des gens ont cru en mon projet. Voilà, aujourd'hui, j'y suis. Bien différent, bien ensemble.